chaque mise en scène est un geste arbitraire, évidemment. Donc il faut assumer un danger. Chaque mise en scène, c'est juste une proposition qu'on peut accepter, on peut critiquer, on peut rejeter. Et ça, c'est la beauté du théâtre, je veux dire. Donc chaque proposition est différente, justement, parce que l'œuvre de Mozart est tellement universelle. Ce n'est pas un objet comblé. C'est à nous de lui donner chaque fois un point de vue différent. C'est risqué, mais l'expérience de l'art, pas seulement de l'artiste, je dirais du spectateur, c'est d'assumer les dangers d'une interprétation. Mais je pense que moi, je ne veux pas donner des réponses. Ce que je veux faire, c'est de donner, comment dire, un problème au spectateur. Moi, je vois croire à l'intelligence, à la sensibilité, à l'imagination chez le spectateur. Normalement, je travaille dans différents langages, l'installation ou le spectacle avec la parole ou des gestes, ou l'art plastique et l'opéra. Mais je pense qu'il s'agit en tout cas du théâtre. Donc, l'opéra, on a un contraint qui est fait, c'est le temps qui est donné. Il faut assumer la limite, le temps, comme dans une occasion. Ce sont des œuvres océanes, donc on ne termine jamais de les découvrir.